Navy KPM. Wow, ada banyak barang, ada buah-buahan. Ada, oh, ada kitchen. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez acheter porte-clés? Ça coûte combien? Ça coûte 1 euro. Ah, bien. Ah, bon. Je voudrais 5 de ça. 5, d'accord. Oui. 1, 2, 3 et 4, 5. Bah, voilà, monsieur. 5 porte-clés. Oh. Vous devez me payer 5 euros. Excusez-moi. Ah, s'il vous plaît. D'accord, voilà. Merci votre beaucoup. Merci. Bravo, Charles. Vous avez fait des achats en français. Bravo. Ok, dan kepada mereka yang menonton di rumah, anda sudah menonton Teroka di TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga dua orang cikgu. Tetapi sebelum itu, seperti yang anda tahu, hari ini kita akan terokai bahasa Perancis. Tetapi saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka macam saya dengan cikgu-cikgu di hadapan ni, dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan sebelum ni kita telah pun cuci tangan dan juga memakai gel pembasmi korang ataupun hand sanitizer. Dan oleh itu, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Ya, okay, silakan cikgu. Play. Dan pastikan apabila anda buka pelitup muka tu, pastikan simpan di tempat yang selamat. Sama ada dalam poket, dalam bekas macam cikgu di sini, dan juga saya pun ada bekas. Aha. Dan pastikan tidak meletak macam-macam tempat lah, atas meja, atas pinggan, atas makanan. Janganlah simpan di tempat yang selamat. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berkenalan dengan cikgu-cikgu kita yang ada bersama kita nanti ya. Aha, okay, s'il vous plaît, présentez-vous. Merci, Sean. Je m'appelle Fauzia. Je suis de Taiping, Perak. Oh, oui. Et moi, je m'appelle Shuko. Yeah. Je suis de Nilai. Merci beaucoup. Dan bukan kita bertiga untuk hari ini, kita juga ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Bonjour. Bonjour. Okay. Le micro, s'il vous plaît. Oui. Okay. Yeah, s'il vous plaît. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous présenter? Que présentez-vous, les enfants? Ok, on commence avec Alia. Bonjour, je m'appelle Noalia Batrisha Mitros Madi. Tu peux m'appeler Alia. Oui. Oui. Ensuite, Amar. Bonjour, je m'appelle Mama Majafi Bimaifka et on m'appelle Amar. Très bien. Ensuite, Zamina. Bonjour, je m'appelle Zamina Jehen binti Muhammad Ayub et à l'école, on m'appelle Mina. Très bien, okay, Mina. Très bien. Ensuite, Shamsul. Bonjour, je m'appelle Shamsul Fikri Benzali et à l'école, on m'appelle Shamsul. Shamsul, très bien. Okay, ensuite, okay. On va demander Adam. Oui. Bonjour, je m'appelle Mohamed Alif Adam, de Soutain, et on m'appelle Adam. Très bien. Très bien. Et la dernière, c'est Farah. Bonjour, je m'appelle Farah Arisha Betty, et on m'appelle Farah. D'accord, très bien. Bien. Merci très les enfants. Bien. Oh, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin saya nak tanya kepada cikgu-cikgu, apa sebenarnya yang kita akan terokai? Ya, kita tahu itu adalah bahasa Perancis, memang saya tak faham banyak, tetapi mungkin kepada mereka yang menonton di rumah dan juga mereka dalam talian, apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini? Okay, aujourd'hui on va faire des achats. Oui. Oui, alors on va aller dans plusieurs magasins. Ok, par exemple ici on a boulangerie, papeterie, l'épicerie et aussi on va au marché. Oui. Très bien. Oui. D'accord. Dan sebelum kita teruskan lagi, nak ingatkan kepada anda semua yang menonton di rumah bahawa sekarang berlangsungnya kempen sempena Hari Guru, iaitu hashtag Terima Kasih Cikgu. Tema sama seperti tahun lepas, iaitu Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru. Dan kami telah pun menerima pelbagai dan juga banyak kad kiriman khas untuk cikgu semua, dan saya akan bacakan salah satu daripada kad yang terdapat di sini. Ini dia. Walaupun kad kecil tetapi sangat-sangat kreatif yang anda nampak di sini. Selamat Hari Guru.
Happy Teachers Day. Ah, itu dia. Rasanya ini je kan. Oh, ini oh dia sebenarnya oh kota. Oh, sorry, maaf ya. Dia ni bahagian atas ni. Okey, dekat sini kotak bila buka ni ada banyak message kat dalam ni. Wow! Memang cantiklah. Ah, di sini ada message di sini, my teacher once said be a warrior not a worrier. Okey, pelbagai message ada di sini dan ini adalah okey, nampak kan semua? Okey, ini adalah hasil kerja daripada okey, daripada siapa ya? Okey, tak nampak. Tak ah, okey ni je. Daripada okey, saya tutup dulu nombor IC pula. Nur Syaza Adriana binti Zamani, kelas 4 Stambio, okey, SMK Dang Anum. Okey, Dang Anum. Kasih banyak-banyak atas hasil kerja anda. Dan juga kami ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua guru atas jasa dan pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je peux vous aider? Bonjour madame, je voudrais acheter des fruits et des légumes. Très bien, qu'est-ce que vous voulez comme fruits? Des bananes. Ça coûte combien pour un kilo madame? Ça fait 1,50€ pour un kilo. Vous voulez combien de kilos? Je voudrais 2 kilos s'il vous plaît. Voilà, avec ceci. Je voudrais aussi des oranges. Ça fait combien pour un kilo? Un kilo d'orange, ça coûte 2€. Oh là là, ça coûte cher. Bien sûr, ce sont des oranges d'Espagne. Elles sont très sucrées. D'accord, je vais prendre un kilo s'il vous plaît. Voilà, autre chose, mademoiselle. Je voudrais une salade et un kilo de carottes. Ça coûte combien? Une salade coûte 1€. Et un kilo de carottes coûte 3€. Vous voulez offrir Didik TV KPM. Bonjour. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Monsieur Syukur dan juga Madam Fauzia. Okey. Allez-y Monsieur Dam. Merci. Merci. Bien les enfants, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez vu dans cette vidéo? Samuel. Moi monsieur. Oui. On voit les vendeuses, les clients, dans un marché de fruits et de légumes. Très bien. Qu'est-ce que s'est passé dans la vidéo exactement? Moi, monsieur. Oui. La cliente achète 2 kg de bananes, 1 kg d'oranges, une salade et 1 kg de carottes. Très bien, Mina. Ok, bien. À part des bananes et des oranges, quelques autres fruits qu'on peut acheter au marché. Quels d'autres fruits? Oui. Allez-y. Excusez-moi. Oui. Répétez. Ok, à part des bananes, des oranges, ok, quels d'autres fruits qu'on peut acheter au marché? Monsieur, des pommes. Oui, des fraises, très bien. Des melons, des pastèques, des cerises et des raisins. Oui, bravo Amar. Monsieur. Oui, Alia. En Malaisie, on peut acheter aussi des mangues, des rambutans et des durians. Oui, bien sûr, oui. Très bien, Alia. Et des durians. Ok. Désolé, monsieur. Des durians. Oui, des durians. Bravo. Ok. Madame. Bien, ok, bravo les enfants. Vous avez bien remarqué ce qui s'est passé dans la vidéo, d'accord? Ok, maintenant, pouvez-vous nous dire comment on peut dire pour faire des achats? Ok?
quelqu'un qui peut répondre pour faire Madame. Des achats. Oui, Adam. Madame, à la papeterie. Oui, à la papeterie. À la boulangerie. L'épicerie. À l'épicerie. Bravo, Adam. Ok. Okay. Madame. Oui. Oui, Farah. On a acheté des billets de train et des tickets pour voir des films. Bravo, Farah. Oui, c'est vrai. On peut faire des achats, pas seulement au magasin, mais aussi on peut aller au cinéma, à la poste, à la gare, à l'aéroport ou bien au restaurant. D'accord? Ok, bientôt on va fêter la fête d'Eid al-Fitr. Et si je voudrais acheter une robe pour Eid al-Fitr, où je dois aller? Quelqu'un qui peut répondre où je dois aller? Oui, Shamsul. Madame. Oui. On va à la boutique de vêtements. Oui, c'est vrai, Shamsul. On va à la boutique de vêtements pour acheter une robe, une veste, une chemise. Ok, d'accord. Bien. Si je voudrais acheter de la viande, très bien. Où je dois aller? Au charcutier, madame. Oh, non, ce n'est pas charcutier. À la charcuterie. À la charcuterie. Oui, parce que le charcutier, c'est le vendeur. On va à la charcuterie. D'accord, très bien, Mina. Et maintenant, ok, on va voir que dit-on qu'on veut acheter quelque chose. Il y a plusieurs façons de dire, Alia. Que dis-tu quand tu veux acheter 2 kilos de bananes, par exemple? Monsieur, oui? Je voudrais acheter 1 kilo de bananes, s'il vous plaît. Très bien, Alia. Ok. Autre chose, on peut aussi dire, on utilise, par exemple, j'aimerais acheter et aussi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ok, à part je voudrais quoi d'autre? À part je voudrais. Monsieur? Oui? J'aimerais, très bien. Ok, on a j'aimerais. Ensuite? Ok, peut-être par une autre question. Est-ce qu'il y a? Ok, on utilise est-ce qu'il y a? Alors? Qu'est-ce qu'on peut dire avec est-ce qu'il y a? Adam, monsieur? Donnez-moi un exemple, oui. Adam. Est-ce qu'il y a des stylos de mesure? Oui. Yeah. Très bien. Ok, merci Adam. Oui, j'aimerais acheter. Et pour la trompette. Pour payer. Ok, non, je ne vais pas acheter la trompette. Ok. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a? D'accord. Ok, bien. À part je voudrais, j'aimerais et est-ce qu'il y a? Oui. Comment on peut dire aussi? Peut-être quelqu'un? Moi, madame. Oui? On peut poser des questions aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donne-moi par exemple, un exemple, oui. Par exemple, est-ce que vous avez des stylos bleus? Oui, très bien, oui, très Mina. Bien. Est-ce que vous avez? Ok, on peut dire je voudrais, j'aimerais, est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez? Quoi d'autre? Ok, Farah. Madame, je voudrais acheter. Oui, on peut dire tout simplement je voudrais acheter. Très bien. Ok? Ok. On a aussi, j'aimerais acheter, je voudrais acheter. Ou bien, tout simplement, quelqu'un qui peut dire ça? Amar, c'est quoi ça? Amar, c'est quoi? Madame, elle dit combien ça coûte? 9 euros. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est je
cherche. Je cherche. Ok, je cherche. Ok, ça, comment on dit pour faire acheter des achats. D'accord? Bien, ok. On passe à la deuxième vidéo, peut-être, Sean? Oui, oui. Kita sekarang ada lagi satu video untuk anda semua untuk menonton. So, untuk murid-murid kita, pastikan anda dengar dan juga tengok dengan teliti, ya. Jom kita tengok video tersebut. Didik TV KPM. Voilà madame, une pipo. Très bien, c'est parfait. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée madame, au revoir. Didik TV KPM. Allez-y, merci madame, s'il vous plaît. Okay. Okay. Bien les enfants, on va continuer. D'accord, on a bien regardé la vidéo. Comment on fait payer, hein, pour payer les choses qu'on a achetées, ok? Pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et dans la vidéo, la cliente, qu'est-ce qu'elle dit pour payer? Madame? Oui, Adam. Elle dit combien ça coûte en tout? Combien ça coûte en tout? Très bien. Très bien. Bravo. Hein? Ok. Ou bien on peut dire ça fait combien en tout? Bravo, Adam. Ok. Qu'est-ce que la vendeuse dit? Quelle est la madame, réponse? Oui, Amma. Répétez bien. Quelle est la réponse de vendeuse? Oh. Elle dit quoi? Elle dit en tout, ça coûte 9 euros. Oui, elle dit en tout, ça coûte 9 euros. Très bien, Ama. Ok. Quelle autre façon, à part ça fait combien, comment on peut dire aussi pour payer? Madame? Oui, Mina. Ça coûte combien au total? Ça coûte combien au total? Oui. Hein, ou bien on peut dire aussi, ça fait combien au total? Au total. Bravo, Mina. Autre façon de dire? Quelqu'un qui peut continuer? Peut-être Farah? Oui, Farah? Moi, madame. Oui. C'est combien? Non, ce n'est pas combien. C'est combien? Répète. Désolée, madame. C'est combien? C'est combien? Pas combien. Hein? C'est combien, ok? D'accord, très bien, Farah. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Shamsoul, pour acheter à part des affaires? Oui? Vas-y. Quel est le prix, madame? Oui. Oui. On peut dire aussi quel est le prix. Le prix. Hein, quel est le madame, prix? Madame? Oui. Madame? Oui, Mina? On peut dire aussi... Oh, Alia, oui. On peut dire aussi, ça fait combien? Oui, ça fait combien? Très bien. Ok, ça fait combien? Ça fait combien au total? Est-ce qu'il y a d'autres façons de dire? Ok? Ou peut-être on peut demander à Sean? Oui. Ok, on peut demander à Sean. Combien... ça coûte? Oui. Ça coûte combien? Ça coûte combien? D'accord. Voilà. Bravo à Sean. D'accord? Ok, bien. On a ça fait combien en tout? Ça fait combien au total? C'est combien? Pas combien, hein? Farah, quel est le prix? Ça fait combien? Combien ça coûte? Et ça coûte combien? Et on a aussi... excusez-moi, je vous dois combien? Ou bien on peut dire aussi, il me faut combien? Ok? Et vous avez regardé, il y a deux mots combien? Combien? C'est-à-dire combien? Hein?
On a un, une, deux, trois, c'est combien? D'accord? Ok, je vais répéter. Pour acheter, on utilise « je voudrais ». Ok? « J'aimerais ». Ou bien « je voudrais acheter ».« J'aimerais acheter ». Ou on peut poser des questions. Hein, par exemple, tout à l'heure, Adam ou quelqu'un a dit « Est-ce qu'il y a des stylos bleus, monsieur ?» Ou bien on peut aussi dire « Est-ce que vous avez des stylos bleus, madame ?» Ok. Et pour payer, hein, on peut utiliser « Ça fait combien en tout ?»« Ça fait combien au total ?»« C'est combien ?»« Quel est le prix ?» Combien ça coûte, je vous dois combien et il me faut combien. Est-ce que tu as compris, Sean? Do you understand? Sedikit lah, cikgu. Okay. Okay, ada apa-apa cikgu nak tambah sebelum kita berehat? Pour le moment, ça y est. C'est bon. Oui. Très bien. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Baik. Hai, saya Rashid. Bila jumpa dengan cikgu je, saya mesti beri salam. Jadilah seperti Rashid. Rashid, awak cakap dengan siapa? Okey, 10 minit lagi. Masa cikgu. Nasib aku sampai awal. Okey guys, tepati masa dan jangan sesekali biarkan cikgu menunggu. Jadilah seperti Rashid. Hey Rashid, kamu cakap sorang-sorang lagi ke? Cikgu, izinkan saya bertanya. Ya Rashid, boleh. Ingat, kalau nak bertanya, kita mestilah minta izin dan hormati guru kita. Jadilah seperti Rashid. Rashid. Cikgu. Beginilah arwah Rashid yang saya kenal dulu. Beradab dan kat ucapan terima kasih cikgu inilah yang mengingatkan saya tentang memori-memori terakhir saya bersama dia. Jadilah seperti Rashid. Kita semua mempunyai guru dan kita haruslah mengucapkan hashtag terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bonjour, kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Madam Fauzia dan Monsieur Shuko. Oui. Okey, unsur Elezi, Merci, Monsieur Adam, s'il vous plaît. Okey, d'accord les enfants. Maintenant, on va passer au jeu de rôle. OK? Vous allez acheter quelques produits dans ces magasins. On a l'épicerie, la boulangerie, la papeterie et le marché de fruits. D'accord? Ok, on a beaucoup de produits par ici et je vais choisir. Ok, Adam, tu vas à la boulangerie. Oui. D'accord? D'accord, Adam? Ok, d'accord. Mina? Ok. Mina, tu vas à la papeterie. OK. Amar, tu vas à l'épicerie. OK. D'accord, madame. OK. Shamsul, tu vas au marché de fruits. OK. On vous donne une minute pour préparer le dialogue. D'accord? Et vous devez acheter deux produits. Et oui, et vous allez acheter seulement deux produits. C'est compris? D'accord, très bien. Ok. Ok, baiklah. Saya rasa murid-murid diberikan 2 minit ke? Satu minit sahaja. So, mereka akan bekerja sebagai berduaan. Ya, Igo. Ok, so sebenarnya dah tanya sambil menunggu tu. So, saya pun akan belajar sama-sama baca bahasa Perancis. L'épicerie. Maknanya, bukan buah-buahan ni. Kedai runcit. Oh, kedai runcit. Yeah. Ok. L'épicerie. La boulangerie adalah kedai kek. Oh, bakery. Bakery. And then di hadapan sini pula adanya papeterie. La papeterie adalah kedai alat tulis. Dan lagi satu, okey, le
marché des fruits. De fruits. De fruits. Oui, fruits et tout. Kedai buah-buahan. Okay. So hari ni Mui-Mui akan berduaan untuk dengan cikgu. Cikgu yeah. akan jadi penjual. Cikgu akan jadi penjual. Yeah. Dan mereka akan menjadi pembeli. Mereka akan jadi pembeli. Baiklah, macam tadi, macam dialog sebelumnya. Ya, yeah, dialog pertama tadi. Okay, baiklah. Saya rasa dah lebih daripada seminit. Okay. S'il vous plaît. Okay. Bien les enfants. Okay, on commence avec Adam. Okay, on va à la boulangerie, Adam. Okay, moi je suis le vendeur et toi le client. Okay. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous aider? Je voudrais pain de campagne, s'il vous plaît, monsieur. Un pain de campagne. Okay, voilà. Un pain de campagne. OK. Avec ça. OK, avec ça. Vous voulez autre chose? Je sais. Oui. Je sais aussi de. De quoi? Fouetter à la sardine. D'accord, fouetter à la sardine. Vous voulez combien? Combien vous voulez, Adam? Toi, s'il vous plaît. Trois, d'accord. Je vais prendre trois, d'accord. Et vous voulez autre chose? C'est tout? C'est tout, monsieur. Ça coûte combien au total? Voilà, ça coûte au total, ça fait 5,20 €, monsieur. Voilà, monsieur. Merci beaucoup et au revoir. Merci, c'est parfait, Adam. C'est au revoir, c'est parfait, Adam. OK? Ça y est, c'est comme ça pour acheter à la boulangerie. D'accord? Oui. Maintenant, on passe au deuxième. Au deuxième. C'est avec Mina. Mina? OK, mais d'accord. Bien. On va à la... C'est quoi, Mina? C'est à la papeterie. OK? À la papeterie. D'accord. OK, moi, je vais commencer. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez... Bonjour, j'aimerais acheter des cahiers, s'il vous plaît. Un cahier, ça coûte 1 €. Vous voulez combien? Deux, s'il vous plaît. Deux cahiers, d'accord. Avec ça? Je voudrais aussi une agrafeuse. Une agrafeuse, ok. Il y en a plusieurs. Vous voulez de quelle couleur? Une bleue, s'il vous plaît. Une bleue, d'accord. OK, de cahier et une agrafeuse. Est-ce que vous voulez autre chose? Je pense que c'est tout, madame. Je vous dois combien? D'accord. Ça fait 6,20 €. 6,20 €, s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà, madame. Au revoir et bonne journée. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Merci, Mina. Merci. Très bien. OK, monsieur. OK, maintenant, on joue le rôle de l'épicière. Moi, l'épicière et Amar et le client. OK? D'accord, monsieur. Très bien. Alors, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Bonjour. Oui? Je vais faire un gâteau dont besoin un kilo de farine. Un kilo de farine, OK. Farine de gâteau, c'est quoi? C'est où la farine de gâteau? Malheureusement, oui. Voilà, un kilo de farine de gâteau, d'accord. Avec ceci, monsieur? Une bouteille de la confiture. Confiture, OK, d'accord. OK. Ça coûte 2 € pour la confiture. Bon, je vais prendre une bouteille, s'il vous plaît. OK, d'accord. Ça fait combien en tout, monsieur? Farine de gâteau avec une confiture, ça fait 3,80 €, monsieur. Voilà. 3,80 €. Merci, monsieur. OK, c'est parfait. Merci. Au revoir. À bientôt. OK, au revoir. Bonne journée.
D'accord, bien. Ok, on a vu déjà pour aller à la boulangerie, à la papeterie et à l'épicerie. Et le dernier, c'est avec Shamsul. Ok, on va au marché de fruits. D'accord, ok. Bonjour monsieur. Vous voulez acheter des fruits? Oui madame. Oui? Les pommes. Ah, les pommes, d'accord. Vous voulez combien de kilos? Un kilo s'il vous plaît. Un kilo de ça pommes. Ça coûte combien? Ok, un kilo de pommes ça coûte 2,30€. Vous voulez combien de kilos? Un kilo s'il vous plaît. Un kilo, un d'accord. Kilo. Je vais prendre un sachet. Ok, pour vous. Un kilo de pommes. Ok, avec ça. Avec ça, monsieur. Je voudrais aussi des oranges. Ah, des oranges. Un kilo, voilà. Combien? Des oranges coûtent 1,50€ pour vous, monsieur. Voilà. C'est bon marché. Vous voulez combien? 2 kilos, s'il vous plaît. 2 kilos d'oranges. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez autre chose? Pardon? Vous voulez autre chose? Des bananes? Non. Ok. Vous voulez payer? Samsung? Mm-hmm. Oui. Oui? Oui. Voulez... Oui? Ça fait un kilo de pommes et un kilo d'orange, ça fait 5,90€. 5,90€. Voilà, 6 euros, madame. Oh, 6 euros, d'accord. Moi, je vais vous rendre 10 centimes. D'accord? Merci, monsieur. Je vous en prie et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Voilà, ouais. Ça y est, on a fini avec le jeu de rôle et bravo les enfants. Ok, vous avez bien utilisé le conditionnel présent comme la politesse. Et on dit merci, merci beaucoup, s'il vous plaît, au revoir, bonne journée, et etc. D'accord. Bravo. Bravo, hein? Bravo les enfants, ça y est, on a déjà montré comment on fait des achats dans des magasins. D'accord. Et on a bien utilisé les politesses, hein, par exemple, merci, merci beaucoup, s'il vous plaît, oui. Au revoir, bonne journée, à bientôt et tout ça. Voilà. Sean, est-ce que vous avez des questions? On a encore du temps. Ok. Mungkin saya pun boleh tanya beberapa soalan lah. Okay. Okay, tetapi saya terpaksa bertanya dalam bahasa Melayu je, cikgu, bahasa Malaysia. Sekiranya macam cikgu berikan tadi, as if you play adalah secara sopan, ya. Masih buku, kasih banyak-banyak. Dan lagi satu yang cikgu sebutkan tadi yang mungkin saya tak faham sangat. Apabila cikgu tanya ada lain yang nak beli tu, macam mana nak sebutkan lagi sekali? Ya, yeah, ada beberapa cara. Kita guna avec ceci. Avec ceci. Avec ceci. Autre chose. Autre chose. Autre chose. Avec ça. Avec ça. Itulah beberapa cara untuk tanya. Nak lagi, ada tanya lagi. Okey, dan pada akhir tu cikgu pun ada sebut Oreva. Maknanya itu selamat tinggal ke jumpa lagi? Selamat tinggal. Selamat tinggal dan berjumpa lagi. Oh, selamat tinggal dan berjumpa lagi. Okey, kita lagi lebih kurang 3 minit. Ada apa-apa soalan yang cikgu nak tanya kepada mami kita yang ada dalam talian? Okey. Les enfants, vous êtes ici avec nous, hein? Okey. Bien. Ce sont des paroles. Qu'est-ce que c'est? Des pommes. Paroles?
Est-ce que... Peut-être on peut montrer. Oh, d'accord, yeah. Pardon. Le fruit, oui. Oui. Ah là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dit quoi? C'est une... De pomme. Une pomme, d'accord, très bien. Très bien. Une pomme. Ok. Mina, qu'est-ce que c'est, Mina? Banane. Ok, banane. Une banane, d'accord. Et Amar, qu'est-ce que c'est? Amar? Vous voyez? Vous voyez? C'est quoi? Amar? Quel fruit? Yun? Orange. Oui, une orange, d'accord. Oui. Et peut-être ça? Des piments. On appelle quoi? Des piments. Des piments de quelle couleur? Je n'ai pas dengar. Non. Dengar tak? C'est des piments de quelle couleur? De quelle couleur? Oui, Alia? De quelle couleur, Alia? On a deux piments ici. Et ça, c'est de quelle couleur? Couleur. C'est bleu? Bleu, rouge, blanc. Alia? Tu m'entends? Dengar tak? C'est de quelle couleur, Alia? Quelle couleur? C'est de piment rouge, n'est-ce pas? Rouge. Tak perasan. No. Okey, tak apa. Okay, mungkin yeah, kita yeah. Lepak tak. Uh-huh, okey, okay, so tadi yang ni adalah cili ke? Ya, yeah, oui. Piment. So dalam bahasa Perancis adalah? Piment. Piment. Mm-hmm. Dah terdapat dalam warna merah dan juga oui. Warna hijau. So, piment rouge. Piment rouge. Piment vert. Vert. Piment vert. So, ini adalah warna vert. Oui. Vert dan rouge. Mm-hmm. Okey. Dan juga terdapat minyak masak tadi tak sentuh. Tapi yang ni dalam bahasa Perancis apa, Ego? L'huile. L'huile. Uh-huh. L'huile. Okay. The ketchup. The ketchup. Okay. The carrot. The carrot. The pomme de terre. Pomme de terre. Okay, baiklah. You post. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okay. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia. Burung pipit di tepi peringki, menyusul lalu mencari makan. Guru-guru sentiasa di hati. Semoga hidup sentiasa aman. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bonjour, kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Monsieur Syukur dan juga Madam Fauzia. Okey, baiklah. Elezi Monsieur Dam. Okey, merci Sean. Bon, okey, on continue. Okey, avant de finir notre cours pour aujourd'hui. Okey, on demande quelques questions pour voir si vous avez bien compris les leçons. Ok, question numéro 1. Qu'est-ce que vous avez appris de cette leçon aujourd'hui? Ok, qui vous répond? Monsieur? Oui, Alia, allez-y. J'apprends le conditionnel, la politesse, monsieur. Très bien. Par exemple, je dois dire merci beaucoup que j'ai reçu quelque chose. Et je dis... Au revoir et bonne journée quand je vais partir. Très bien, Alia. Ok, on a déjà étudié la politesse, ok, l'utilisation des conditionnels, tout ça. Bravo, Alia. Ok, maintenant, Afara, ok, écoutez bien la question. Ok, question numéro 2. Nommez quelques magasins qu'on a appris aujourd'hui. Ok, nommez quelques magasins. Oui. Bien, monsieur. Il y a un marché de fruits. Oui, marché de fruits, très bien. Une boulangerie. Une papeterie. Ok, épicerie. Très bien. Papeterie. Une boutique de vêtements. Oui, très bien, boutique de vêtements. Et on peut aussi acheter des billets de train et des tickets de cinéma. Bravo, Farah. Ok, très bien. Alors, voilà.
Oui, bah, maintenant, je vais tout résumer, des résumes. On a appris comment faire des achats. Oui. OK? Et bravo, on a réussi de faire des achats au marché de fruits, à la papeterie, boulangerie et à l'épicerie. Et on a utilisé la politesse. Hein, par exemple, merci beaucoup. S'il vous plaît, etc. Oui, et au aussi, revoir, oui. Mm-hmm. Pour payer, on a utilisé combien ça coûte combien, je vous dois combien, okay. Donc, je pense tout le monde a bien compris la leçon pour aujourd'hui. Oui. D'accord, Sean? Très bien. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, ya, so apa yang kita belajar, kalau boleh saya cubalah untuk terjemahkan apa yang kita belajar ini daripada kefahaman saya. So untuk hari ini kita dah sentuhlah bagaimana apabila anda pergi ke kedai di negara Perancis ataupun di kedai di Malaysia yang berbahasa Perancis pula. Anda tahulah macam mana untuk beli barangan tersebut, walaupun di kedai runcit, kedai alat tulis, kedai kek ataupun kedai bakery, kan? Dan juga kedai buah-buahan, di mana anda tahu untuk bertanya berapa harganya untuk sekilo, dan juga sekiranya anda nak beli benda-benda lain. Betul ke, Igus, untuk sekarang? Ya, betul. Okay, dan juga bagaimana anda boleh tanya soalan secara sopan dan juga menggunakan perkataan seperti terima kasih ataupun please ataupun s'il vous plaît, dan juga terima kasih, au revoir, terima kasih itu merci, merci beaucoup. Dan banyak lagi. Dan juga apa yang kita belajar pada hari ini, tense ataupun verb yang berlainan. Ya, contoh macam saya nak, dan juga saya bukan nak saja, tetapi saya apa nama itu? J'aimerais. J'aimerais itu maknanya saya nak inginkan ataupun I would like. I would like lah, kalau kita terjemahkan kepada bahasa Inggeris, yes, kan? Yes. Dan itulah yang kita belajar untuk hari ini. Ada apa-apa cikgu nak tambah selain daripada apa yang saya sebutkan tadi? Kan dah cover semua dah. Dalam bahasa Melayu atau bahasa Perancis ni? Mana-mana cikgu boleh juga. Untuk bagi kefahaman kepada semua. Yeah. Bukan sahaja di kedai-kedai di sini. Yeah. Kita boleh juga membuat beli belah di secara tetapi, contohnya. Membeli tiket tetapi, panggung wayang, untuk memesan makanan di restoran. Okay, semuanya konsepnya lebih kurang sama, cuma produk-produknya adalah berbeza. Konsepnya sama. Kita menggunakan politesse, conditionnel, je voudrais, j'aimerais dan sebagainya. Dan kita akhirkan dengan politesse juga. Kita gunakan merci beaucoup, au revoir dan sebagainya. So selain daripada kita belajar bahasa Perancis, bahasa negara orang lain, kita tetap terapkan nilai murni di situ. Ya, baik. Dan mungkin yang terakhir, saya ada soalan yang terakhir. Bagaimana kepada mereka yang walaupun sama ada belajar bahasa Perancis ataupun bahasa lain pun, bagaimanakah mereka boleh menjadi lebih fasih dalam bahasa tersebut? Apa yang perlu mereka buat selain daripada belajar saja? Apa selain daripada itu? Il faut pratiquer souvent. Ya, selalunya kita kena berlatih, bercakap, kena elakkan rasa malu. Membuat kesilapan itu biasa. Ya, betul. Saya sebagai cikgu pun kadang-kadang tersasul juga. Bukan, sebab ini bukan bahasa ibunda kita. Kalau kita teruskan bercakap, berlatih tanpa rasa takut membuat kesalahan, InsyaAllah kita boleh berjaya. Ya, betul. Dan saya pun ada lagi satu tips. Kalau nak belajar sesuatu bahasa, kan, anda perlulah tengok kartun untuk budak-budak. Sebab mereka menggunakan bahasa yang agak mudah dan juga tidak suka. So daripada sana pun kita boleh dengarkan muzik, tengok kartun, dan daripada sana kita boleh belajar bersama-sama ataupun belajar dengan lebih baik untuk menguasai sesuatu bahasa. Okey, baiklah. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah ataupun sebelum tu, saya nak berterima kasih kepada Madam Fauzia dan juga Monsieur Syukur, Monsieur Syukur. Saya pun setengah belajar sekarang kerana perkongsian ilmu bersama kita semua. Dan juga kepada mermaid kita yang ada dalam talian, iaitu Ama, Jehan, Fikri, Alia, Farah dan juga Alif. Terima kasih. Merci beaucoup. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye dan au revoir. Au revoir.